Alors, petite vidéo du ruisseau qui arrive du champ de course, enfin l'ex-ruisseau, totalement pollué. Et bien entendu, tout ça finit dans la rivière Larz, à quelques 1 kilomètre ou deux plus bas. Donc les remblais n'ont pas été contrôlés, donc j'imagine qu'il y a de la ferraille, voire même des pots de peinture, donc pollution au plomb. Le ruisseau n'est plus existant, c'est de l'infiltration sous le terrassement en fait, donc j'imagine que tout le site au-dessus est pollué. Donc voilà le travail.